Bonjour et bienvenue à cette conférence consacrée à l'architecture au service de la cancérologie entre le déploiement technologique et la dimension humaniste. Alors l'évolution de nos modes de vie et des outils technologiques dans le secteur de la santé force nos concepteurs aujourd'hui et plus que jamais à réfléchir davantage sur la place de l'humain au cœur des projets hospitaliers. Nous sommes dans un monde de rationalité où le propos poétique humaniste est difficile à porter. Alors poétique humaniste, c'est pas moi, c'est Gérard Ruette qui me l'avait donné lors d'une interview. Gérard qui me le rappelait, c'est pourtant le vrai sens du métier d'architecte, de votre métier pour la plupart. Alors s'il est essentiel de conserver l'humain au cœur des projets hospitaliers, il l'est encore plus sur des projets aussi techniques que ceux ayant trait à la cancérologie. Vous ne rentrez pas dans un institut de cancérologie dans les mêmes dispositions d'esprit que dans une structure hospitalière traditionnelle. Cela vous conduit donc à une approche beaucoup plus humaniste. Pour nous éclairer sur cette approche ce matin, nous accueillons Gérard Ruette, architecte de l'agence Cardet-Huette, une agence qui a notamment conçu avec l'agence Jean-Paul Viguier l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. Bonjour Gérard. Nous avons l'honneur d'accueillir également ce matin le professeur Roland Bugat, professeur oncologue, l'un des pères fondateurs de l'Oncopole de Toulouse. Bonjour professeur, merci pour votre présence ce matin. Et Aline Louisy-Louis, je vais y arriver, désolé, fondatrice du cabinet d'Ima Santé, spécialisée dans la conception fonctionnelle et organisationnelle, ancien directeur d'établissement. Et puis nous vous remercions tous d'être venus présents ce matin malgré les difficultés dues à la grève et aux différentes manifestations qui bloquent un petit peu Paris. Alors Gérard Ruette, nous allons commencer avec vous ce matin. Depuis le milieu du XXe siècle, le design et l'architecture étaient relégués au second plan. Aujourd'hui, en revanche, l'architecte a pour mission d'être un médiateur. Comment jugeriez-vous cette évolution ? Bonjour à tous. Écoutez, la question est, nous interroge, hein, au sens propre du terme. Écoutez, je pense que le problème de la santé, c'est une préoccupation sociétale très forte qui repose toutes les questions de l'organisation de la société, et je pense qu'on ne peut pas rester indifférent à ce type de choses. En témoignent les nombreux projets hospitaliers qui jalonnent notre territoire, qu'ils soient d'ordre public comme privé, où on voit malgré tout se dessiner ou du moins s'éclairer deux postures importantes. Il me semble que elles nous posent vraiment question, c'est-à-dire l'importance du déploiement technologique, clairement affichée, avec le confort que cela génère pour l'ensemble des patients, tant patients d'ailleurs, personnels qu'accompagnants, sur l'efficience. Mais en même temps, ce que l'on peut constater, c'est qu'effectivement, nous, architectes, on se rend bien compte que, certes, si l'on répond à l'efficience par des projets qui sont, me semble-t-il, essayés de conduire le plus rationnellement possible, la dimension humaine, la dimension de la relation entre l'ensemble des occupants et des praticiens dans un territoire hospitalier pose question éloigne relativement le problème du patient avec le reste de la société. Et je pense que l'architecture, c'est là où elle agit, là où elle peut intervenir comme étant un élément médian pour essayer de retrouver, me semble-t-il, ce lien, se reconfectionner ce lien. Merci Gérard. On va passer la parole au professeur Bugat. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, professeur, est-ce que vous pouvez nous représenter un petit peu l'Oncopole de Toulouse ? Bonjour à tous, bien sûr, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Alors l'Oncopole de Toulouse, c'est un lieu de renouveau qui a été voulu par les politiques et les acteurs économiques de Toulouse et sa région à la suite de l'explosion industrielle d'AZF qui a créé beaucoup de dégâts humains et économique. L'Oncopole, c'est en fait, ce sont trois piliers. Il y a des acteurs du soin, des acteurs de la recherche et des acteurs du monde économique à travers les partenaires industriels, notamment de la pharmacie. Ceux qui soignent sont représentés par un hôpital que nous avons construit, qui est l'Institut universitaire du cancer de Toulouse où je travaille. La recherche est incarnée par des laboratoires académiques du CNRS, de l'INSERM, de l'université. Et le monde de l'entreprise est représenté, je l'ai évoqué, par les partenaires industriels Sanofi, Pierre Fabre, mais également par des industriels qui sont concernés à la fois par la prévention de l'agroalimentaire
mais également par des hommes et des femmes qui réfléchissent à la domotique et au maintien à domicile. Tout ça est très important à une époque où notre société se numérise de manière à la fois insidieuse et à grands pas. Donc les liens entre l'hôpital et le domicile des malades est également un sujet d'intérêt. L'ensemble de ces piliers est mis en synergie par un certain nombre d'outils, notamment une fondation Toulouse Cancer Santé, présidée par l'ancien ministre d'Ouste Blasi, et puis également par un pôle de compétitivité qui a pour objet, bien entendu, de développer des richesses nouvelles en créant des partenariats publics-privés. C'est le pôle de compétitivité Cancer Biosanté que j'ai initialement présidé. Voilà un petit peu le dispositif de l'Oncopôle qui est visitable, puisque ce n'est pas un projet, mais c'est une réalité. Et nous vous invitons, bien entendu, en fonction de vos intérêts, à réfléchir avec nous à la manière de préparer le futur. Professeur, lors de nos interviews au sein de la revue Architecture Hospitalière, nous interrogeons les présidents de CME sur leur définition de la médecine du XXIe siècle, et tous s'accordent à dire que l'évolution des technologies ne doit pas prendre le pas sur la place de l'humain au cœur du dispositif de soins. Selon vous, la médecine contemporaine survalorise-t-elle l'innovation technologique au détriment de l'écoute et du dialogue ? Quelle question ! Mais vous devinez la réponse. Je crois que tout succès dans une entreprise humaine relève d'un équilibre subtil qu'il nous convient de trouver entre justement les pôles qui parfois sont antagonistes. Et je crois qu'effectivement, la médecine et les structures hospitalières dans un passé récent ont eu tendance à valoriser, pour ne pas dire survaloriser, les investissements technologiques auxquels, bien sûr, les malades croient beaucoup. Et il faut, de ce point de vue-là, trouver un équilibre subtil entre l'innovation, d'une part, et les valeurs humaines et humanistes, d'autre part. Et je crois que c'est tout l'enjeu de nos réflexions partagées, de nos questionnements qui nous rassemblent à l'instant. On a vraiment pris conscience de cette dimension ? Alors, vous voulez que nous parlions un petit peu plus de ce que peut être un hôpital monothématique dédié à la cancérologie ? Oui, tout à fait. Ça vous intéresse ? J'imagine que ça intéresse tout le monde. Vous pensez que ça intéresse notre public ? Ah, oui. Bon, combien de temps ? Vous avez du temps. Un petit peu de temps. Alors, il y a des préoccupations sanitaires qui concernent les urgences, bien évidemment. Et puis d'autres qui concernent de manière plus récurrente et actuelle les maladies chroniques. L'OMS considère que, après la maîtrise imparfaite mais relativement aboutie des maladies transmissibles, ce sont les maladies chroniques qui constituent un sujet de préoccupation sociétale important. Alors les maladies chroniques, c'est bien sûr les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, mais ce sont également les cancers. Ce n'est sans doute pas un hasard si les politiques publiques ont consacré des plans cancers depuis 2003. Les cancers en France, c'est 350 000 nouveaux cas par an. Et ces cancers, leur pronostic s'améliore en partie parce qu'on en guérit davantage, mais surtout parce qu'on fait vivre plus longtemps les personnes porteuses de ces maladies avec leur pathologie. Et les cancers deviennent des maladies chroniques. L'indicateur de progrès thérapeutique le plus évident, ce sont les survies globales. En fait, c'est le vivre avec la maladie qui devient un indicateur de progrès thérapeutique important. On ne guérit pas forcément plus, mais on vit avec. Il faut apprendre à vivre avec plus longtemps. Et dans le même temps, les responsables d'institutions hospitalières, publiques ou privées, constatent que les DMS, les durées moyennes de séjour, diminuent. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de nos concitoyens porteurs de l'affection qui vivent avec elle, en dehors, d'une certaine manière, des hôpitaux. Alors je crois que les hôpitaux du futur devront tenir compte de cette notion de parcours de soins qui est, je crois, incarnée en particulier par le stand qui est adjacent à ce salon où l'on voit des réseaux de soins et des parcours de soins. Donc ça, c'est une notion à intégrer. Je pense que les programmistes y réfléchissent. Voilà. Alors s'il s'agit de rester dans l'enceinte institutionnelle pour trouver l'équilibre subtil entre accès à l'innovation et savoir-être avec les malades. Quelques réflexions d'ordre général. Il reste un peu de temps. Bon, alors, l'accès à l'innovation. Il faut absolument intégrer dans les hôpitaux du futur tous les éléments du continuum entre le soin et la recherche. La recherche développe des concepts nouveaux, mais ce qui marche dans la cellule ou chez l'animal ne fonctionne pas forcément de manière spontanée et immédiate chez le malade. Il faut donc favoriser le continuum entre la preuve de concept à l'hôpital
Et la démonstration de l'efficacité en pratique clinique, c'est tout le continuum soins-recherche avec la notion d'évaluation. Il faut bien sûr intégrer des plateformes technologiques les plus innovantes. Et dans le domaine de la cancérologie, il y a des plateformes technologiques qui sont spécifiques, notamment tout le plateau de radiothérapie. On est d'accord, Gérard ? Également, la pharmacotechnie avec la reconstitution centralisée des médicaments anticancéreux, qui est une spécificité à ce type d'institution. Et puis, il convient d'intégrer des innovations nouvelles. Et il y a en particulier un point qui ne faisait pas partie du cursus médical lorsque j'étais en formation, ça fait déjà quelques lunes, mais qui est devenu consubstantiel à la pratique quotidienne de la médecine, qui est ce que j'appelle la gestion du patrimoine biologique des malades. C'est-à-dire que grâce au progrès de la biologie moléculaire, ce que l'on peut comparer à la police scientifique permet d'identifier d'un point de vue génétique les caractéristiques signalétiques de la tumeur de chaque personne. Et le cancer du côlon de Mme Durand n'est pas forcément le cancer du côlon de M. Dupont. Cette prise de conscience en termes de capacité moléculaire à identifier les tumeurs nous invite à réfléchir en termes de médecine du futur à la médecine personnalisée. Les thérapeutiques ne sont plus de la confection grand spectre, mais de la production de masse, mais c'est du sur-mesure. Et donc cette gestion du patrimoine biologique du malade nous invite à concevoir dans les hôpitaux de demain des structures dédiées justement à la collection sécurisée, anonymisée de ces prélèvements tumoraux, parce que le patient d'aujourd'hui qui va vivre plus longtemps, il voudra bénéficier dans quelques trimestres ou quelques années, s'il est toujours en vie, des nouvelles connaissances fondamentales qui peuvent servir à l'amélioration de son pronostic. C'est donc ce continuum qu'il faut absolument intégrer. Donc tout ça fait partie de cahier des charges que nous réfléchissons, je crois, de manière responsable et partagée. C'est pour l'aspect de l'innovation et donc de la garantie qu'effectivement chaque personne malade pourra faire l'objet de tous les progrès de la connaissance dans les délais les plus courts. Mais il ne faut pas oublier le savoir-être, on est d'accord. L'écoute et ces parcours de santé et de soins face à des maladies chroniques nous invitent à réfléchir aux moyens opérationnels et structurels de faire en sorte que la relation soignant-soigné, qui était, je crois, historiquement un face-à-face, parfois un petit peu tendu, avec d'un côté le sachant et de l'autre celui qui est supposé bénéficier de la connaissance du sachant, il faut que ce face-à-face devienne un côte-à-côte, un mano à la mano, une sorte de montée cyclosportive du Tourmalet, pour parler régionalisme pyrénéen. Et ça, souvent on entend dire que les soignants n'ont pas le temps, que les gestions des ressources humaines se font en flux tendu, que peut-être les 35 heures sont démodées, bref, je ne sais pas. Mais au-delà de toutes ces difficultés, la gestion des ressources humaines, c'est extrêmement important. Et je crois qu'il faut effectivement que l'écoute soit au rendez-vous et que le temps nécessaire à l'écoute soit là. Parce que les patients, qui ne le sont pas tant que ça, qui sont en fait chacun d'entre nous, parce que la maladie nous guette, eh bien, ils revendiquent des droits, bien évidemment, ils ont raison. Et ce que les anglo-saxons appellent le patient advocacy, c'est-à-dire les groupes d'opinion portés par les malades eux-mêmes, doivent être pris en compte. Je crois que c'est peut-être banal de le dire, mais c'est très important d'en tenir compte et de le faire vivre dans nos structures. Il faut donc que les structures hospitalières d'aujourd'hui et de demain soient des lieux de médiation, des lieux de sérénité pour les malades, avec peut-être l'appel à la lumière, comment symboliquement maintenir toujours ouverte la porte qui se dirige vers le champ des possibles, ne jamais dire à quelqu'un « on m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire », comment faire en sorte que quand les situations deviennent délicates, à défaut de pouvoir ajouter des jours à la vie, comment faire pour ajouter de la vie au jour, important, et faire en sorte que cet espace de sérénité soit effectivement en situation d'être un lieu de médiation. Voilà, je crois que ça, c'est extrêmement important. Et donc, je vais plaider, pour finir, pour une sorte de réflexion un peu progressiste qui est de nature à faire bouger les lignes corporatistes, qui consiste à dire qu'il faut que le système de santé soit centré sur l'utilisateur, le système de santé. Il faut en même temps que le système de soins... On va laisser finir l'annonce. Séquence outre-mer.
Ça ressemble aux marches de Cannes. Donc que le système de soins soit amélioré par les malades eux-mêmes. Donc il faut leur donner la parole. Et il ne faut pas en faire des agents de liaison entre les soignants, il faut en faire des acteurs à part entière du système de soins. Voilà, alors ces choses étant dites, bien, j'ai fini de parler. Ces évolutions humanistes sont, je crois, insidieusement accélérées par la digitalisation de la société. Et de ce point de vue-là, je ne fais qu'ouvrir le débat, parce que c'est un vrai questionnement, je n'ai pas de réponse, mais je pense que nos conférenciers auront quelques éléments de réponse. Justement, on va se tourner vers Aline Louis, fondatrice du cabinet d'Ima Santé, spécialisée dans la conception fonctionnelle et organisationnelle. On le rappelle également, ancien directeur d'établissement. Aujourd'hui, comment peut-on s'écarter des standards, traiter les fonctions techniques et l'ergonomie des lieux de manière équilibrée? Alors, pour rebondir sur mes acolytes, il y a quand même un constat économique à faire, c'est qu'aujourd'hui, et Roland le rappelait, il y a une réduction des durées de séjour qui est quand même significative, sauf quand on regarde aujourd'hui les projets que l'on sort, ce sont des projets qui sont assez impressionnants en nombre de lits. La durée de séjour diminuant, on se retrouve avec des hôpitaux qui, à terme, seront de toute manière en inadéquation avec les besoins, puisque effectivement, ce que Roland Buga vous rappelle, c'est qu'aujourd'hui, la cancérologie et les maladies chroniques sont effectivement le grand secteur d'activité de la médecine de demain. Si on reprend par rapport à ça, ça veut dire que le constat programmatique qu'on peut faire, c'est qu'on aura toujours besoin de CHU, effectivement, avec des plateaux médico-techniques qui répondront, effectivement, à l'activité de formation, de recherche et de soins de pointe. Mais la prise en charge, effectivement, des maladies chroniques et des cancers doit se faire à partir de plateaux techniques mono-activité, donc ce que rappelait Roland, mais aussi avec un hébergement hôtelier plus propice à la durée de séjour de ces patients. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore, moi je le considère en tant que programmiste, on n'a pas encore fait le switch de ça. Donc en France, on a toujours un peu de retard, mais en tous les cas, moi je souhaitais effectivement aujourd'hui rappeler ce constat, parce qu'on le voit dans les pays de l'Europe du Nord, où effectivement ils se retrouvent avec des grosses structures hospitalières qui sont en surcapacité et avec des lits non occupés. Roland dit effectivement que l'hôpital de demain, c'est un lieu qui soigne bien et c'est un lieu qui prend soin. Et ça, c'est effectivement important. Ça veut dire que le constat programmatique qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, on doit repenser la prise en charge du patient, c'est-à-dire qu'on est sur une cartographie de flux qui sont centrés sur le patient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patient a été plutôt promené, voilà, dans les structures, pour le diagnostic, pour le soin. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est effectivement aux professionnels de venir. Le e-santé, le développement du e-santé est une réponse. Quand on voit au Canada, j'ai été chercher quelques chiffres, je pense que c'est intéressant d'aller voir aussi ce qui se fait un peu ailleurs. La télésurveillance des insuffisants cardiaques a diminué de 12 à 4 par an l'hospitalisation des patients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le maintien à domicile avec les nouvelles technologies, mais aussi dans des structures type intermédiaire, permet effectivement une meilleure prise en charge du patient, sans pour cela que ça coûte effectivement un prix important à la collectivité. Donc la réponse programmatique, ça serait une dissociation de la construction des plateaux médico-techniques, des lieux de consultation, d'hébergement et des soins de bien-être qui doivent être associés. Si on est d'accord que et ça c'est les architectes, le plateau médico-technique, lui, il doit être évolutif et prendre en compte les nouvelles technologies. Pour moi, programmiste et ancien directeur, l'hébergement, il doit être pensé comme un lieu de vie et de repos qui peut aller jusqu'au dernier lieu de vie pour le patient. Parce que ça, c'est la réalité aussi de demain. Ça veut dire qu'on prend en conception trois éléments. Le bien-être du patient, l'accompagnement soignant-soigné, donc la notion de médiation, et la qualité et la sécurité des soins, qui est extrêmement important. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'optimiser effectivement les flux et les protocoles, de s'adapter en construisant des locaux toujours plus flexibles, qui permettront une réorganisation au fil de l'eau des attentes du trinôme, qui est le patient, l'infirmier et le médecin. Alors, je ne sais pas si on continue sur le plus loin, mais
effectivement, c'est-à-dire que quand on va jusqu'au bout, c'est, on va aller même jusqu'à quitter cette ambiance hospitalière, hein, qui est effectivement aujourd'hui notre fonctionnement en France, vers un nouveau type de structure qui s'apparente plus à des appartements, en sachant que je crois qu'il y a un village ingénierie et donc on sait qu'aujourd'hui on a des matériaux qui permettent effectivement de répondre aussi à cette notion de bio-nettoyage et de d'infection. C'est-à-dire qu'il faut sortir de nos carcans, de notre réseau qui est inscrit hein, dans notre façon de fonctionner. C'est l'accueil du patient par une secrétaire qui est derrière un bureau. C'est voilà. Ce que dit Roland Buga, il a raison, c'est qu'aujourd'hui, le patient, globalement, il a autant d'informations que le médecin, voire même plus, via les réseaux Internet. Donc, cette relation soignant-soigné, elle a complètement évolué, parce que souvent, on le voit, on a des patients qui arrivent voir les médecins avec le dernier article qu'ils ont trouvé sur Internet, la dernière molécule qui est sortie mais qui n'est pas encore commercialisée en France et on ne sait pas pourquoi elle n'est pas commercialisée en France. Voilà, donc c'est des éléments importants. Donc l'espace, il doit être effectivement aménagé comme un espace de confiance et de médiation. Ça veut dire que le patient, sa chambre... Si on prend ne serait-ce que sa chambre, la chambre, c'est un lieu d'espace de guérison, c'est une salle à manger, c'est une chambre à coucher. Mais effectivement, dans la maladie chronique, on a aussi d'autres personnes qui vont passer du temps auprès du patient. Ça va être les soignants, ça va être les familles. Et donc ces familles, il faut qu'elles puissent aussi passer du temps dans un cadre qui leur permette d'être à la fois près du patient, mais aussi dans un espace un peu retiré. Je voulais juste donner un chiffre. Alors, ce qui veut dire que, quand même, que nos chambres, telles qu'on les conçoit, messieurs les architectes, mais qu'on nous demande, hein, direct, moi je suis programmiste, hein, donc on dépasse jamais les 20 mètres carrés. Vous allez aujourd'hui dans les pays du Nord, on est sur 28 mètres carrés, ce qui change complètement la donne sur ce qu'on attend effectivement de ce lieu de médiation entre le soignant et le soigné. Donc, quand on voit ça, il y a eu une étude qui a été faite où on s'est aperçu, et alors moi je l'ai vécu aussi, comme, et je pense que le professeur Buria peut témoigner, 85% du temps de relation entre le soignant et le soigné, il se fait debout. Je ne sais pas si chacun a remarqué, mais quand on vient vous voir dans une chambre, le médecin est debout, le soignant est debout, mais on n'a pas d'espace prévu pour pouvoir être l'un à côté de l'autre et dialoguer dans effectivement dans cette relation soignant-soigné. Peut-être que Roland veut peut-être là-dessus rebondir. Non. Professeur Buga, non, on va non. On va passer la parole à Gérard peut-être. Alors l'architecture c'est aussi un ensemble de savoirs et de savoir-faire qui déborde largement de l'acte de construire. Si finalement un juste équilibre entre performance fonctionnelle du bâti et savoir-être. Je pense que les propos qu'on vient d'entendre me conduisent à être extrêmement modeste dans cette histoire. Pour autant, je crois qu'on est en responsabilité face à ces demandes. Être en responsabilité, je me souviens des premiers contacts avec Roland Buga il y a 25 ans à peu près, où me conviant à réfléchir sur la restructuration du centre anticancéreux de Toulouse, Claude Uzerego. Ces premiers mots qui m'ont largement marqué et habité pendant quelques jours, c'est de me consister à formuler la chose suivante. Fais-moi tout sauf un hôpital. C'est une formulation complexe hein, auquel il faut à la fois se saisir, en même temps essayer d'en mesurer la portée et en même temps la raccrocher à une pathologie tout à fait singulière. Et à travers ça, ce que j'ai entendu, c'était pas de faire un espace banalisé, mais d'aller vers des espaces qui s'apparenteraient le plus au domestique. Bon, et puis, bien sûr, cette pratique a beaucoup de résonance chez tous les architectes, parce que je crois qu'on trouve notre vocation à notre métier dès lors qu'on est dans le... Je pense que Renzo Piano le dit beaucoup mieux que moi quand il parle de la désobéissance de l'architecte ou la mesure du seuil de la transgression, c'est-à-dire aller au-delà de la demande fonctionnelle, autant aussi faible soit-elle, me semble-t-il que c'est l'enjeu de notre profession et aussi son honneur,
mais aussi qui en fait sa faiblesse par rapport à des schémas beaucoup plus linéaires où on est dans un rapport question-réponse assez facile. Donc écoutez, moi j'ai commencé sur ce sujet-là il y a 25 ans, première image de l'Institut Claudius Regaud, au centre-ville de Toulouse, dans des problématiques de bâtiments classés. Voilà, donc c'est de se dire comment, effectivement, très modestement, comment un architecte peut intervenir, sachant très bien qu'on n'intervient pas dans le process, mais qu'on met en œuvre le process et le mettre en œuvre d'une manière le plus partagé possible entre l'ensemble des acteurs du soin, que ce soit bien sûr les personnels soignants dans ces diverses catégories, les accompagnants qui dans cette pathologie ont un rôle très important, et bien sûr le reste de l'environnement et bien sûr l'ensemble des partenaires. Voilà, donc moi je vais vous montrer quelques images qui ont traité notre réflexion, sachant que dans l'agence on a pour habitude, et j'ai pas l'impression qu'on soit là non plus des singuliers, de convier autour de la table, chez nous, autour de la planche à dessin parce que ce n'est plus le cas, mais un maximum de compétences qui nous aident à faire, me semble-t-il, ou approcher des solutions qui nous semblent les plus légitimes, considérant qu'il n'y a jamais de réponse parfaite. Voilà, donc dans ce processus de la prise du savoir-être et du bien-être, nous semble-t-il, Roland évoquait l'idée de créer les passerelles entre à la fois la recherche, à la fois l'application du soin et puis jusqu'à l'industrialisation du médicament. Donc c'est de favoriser au maximum les rencontres, les échanges entre tous les partenaires, tous les personnels qui agissent au cœur de cette structure. Donc vous voyez ici, ça c'est une des images du nouveau centre anticancéreux de Toulouse que nous avons dessiné avec Jean-Paul Viguier, qui au fond nous a beaucoup interrogé sur cette idée programmatique, parce que c'est une des premières fois où j'ai vu dans un programme, je ne vais pas dire une isosurface entre la recherche et la partie des soins, ce qui est considérable, c'est même relativement inhabituel. Et ça nous a beaucoup interrogés pour savoir ce que ça voulait dire, mais en même temps, programmatiquement, et je pense qu'Aline rebondira à mes propos, ben, il y avait d'un côté la recherche, de l'autre côté les soins. Et cette frontière là, ténue, où est-elle? Et comment se matérialise-t-elle? Et comment peut-on justement éviter l'idée de la frontière, quoi, hein? Si je fais référence à Régis Debray, là, hein, sur l'éloge de la frontière. Comment on arrive à transgresser ce type de choses? De manière à ce que le partage ne se fasse pas entre un couloir et une porte. Voilà. Aussi simplement que ça. Ça, c'est une problématique d'architecte. Ça paraît très élémentaire, très simple. Mais en même temps, je compte bien s'emparer de cette problématique, la conceptualiser, fait qu'à un moment donné, il faut lui attacher un espace. Voilà. Et dans ce cas-là, bon, dans le programme, il y avait beaucoup d'éléments de rencontres, de salles de réunion à l'intérieur de la recherche. La même chose dans la partie soins. Et on se dit, mais pourquoi ne, puisqu'on veut qu'ils soient le plus ensemble possible, de manière à avoir dans un échange le plus direct, immédiat, de manière à porter l'efficience, mais pourquoi ne sont-ils pas ensemble? Et à ce moment-là, l'espace devient partagé. Donc c'est ce qu'on appelle la rue des savoirs et des échanges, hein, c'est ce bâtiment-là. Vous voyez que dans les images que vous avez au fond, les salles de réunion, effectivement, qui se trouvent à l'interface entre les surfaces de la recherche et les surfaces des soins. Puis là, on se trouve pas dans un milieu urbain. Hein. La nouvelle clinique du cancer se trouve, comme l'a dit Roland, sur la destruction d'une ancienne usine chimique. On se trouve plutôt dans une périphérie de Toulouse, mais dans un paysage. Donc, une des premières attentions qu'un architecte est censé, sur lequel est censé se porter, c'est lire un paysage. Comment est-il construit? Quelles sont ses lignes de force? Et comment peut-il pénétrer tout ou partie à l'intérieur du bâtiment, considérant que porter attention au paysage, c'est aussi porter attention à celui qui le regarde. On est dans un vis-à-vis qu'il faut savoir construire, édifier. Donc, vous voyez que dans ce cadre-là, on voit tout le paysage de la colline toulousaine. Tout à fait au fond, c'est la Garonne, hein, qui circule vers le centre-ville de Toulouse.
Donc, dans d'autres territoires, hein, celui-là, ce n'est pas le bâtiment du cancer, c'est une extension de l'hôpital sur Albi. Donc, essayer au cœur de la ville d'Albi, placer patrimoine mondial de l'UNESCO, donc site classé, enfin, je n'en passe. Et vous voyez bien toutes les problématiques que ça peut générer en termes de dialogue avec le patrimoine. Donc, essayer de maintenir une écriture relativement contemporaine et en même temps faire rentrer le paysage à l'intérieur du territoire. Paysage, là, par contre, qui relève de la culture, qui n'est pas un paysage naturel, mais traité. Et puis, en même temps, les quelques images que vous avez dessous, l'apport de la lumière naturelle, comment une chambre profite-t-elle de ses extériorités, quels sont les paysages qu'elles ont en vis-à-vis. On a de temps en temps beaucoup de chance, plus de chance que d'autres, par moment, suivant les territoires que l'on est censé conquérir. Les problèmes du paysage à l'intérieur d'un bâtiment hospitalier se heurtent aussi aux problématiques des coûts de la maintenance. Donc on peut rêver en tant qu'architecte de beaucoup de jardins, souvent le cas, et on se trouve très souvent dans l'élaboration du projet et surtout dans sa mise en œuvre définitive à des problématiques de coûts de maintenance. Et on voit que d'un paysage que l'on aurait souhaité beaucoup plus vert, on finit par faire des jardins minéralisés. J'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Il y a des magnifiques jardins au Japon. Mais n'empêche que ça, c'est la traduction d'un regard drastique sur les problèmes de l'ordre des coûts de maintenance. Sur le bâtiment de Pierre-Paul Riquet à Toulouse, hein, bâtiment que l'on a conçu en collaboration avec SCO, ben la même chose, on est dans un paysage urbain, donc là on n'est pas du tout dans le même territoire qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc un hôpital qui est traversé par l'ensemble des transports publics et qui remet l'hôpital au cœur de la ville. Et je pense qu'on a entendu la conférence sur l'aéroport de Nantes hier. Nous semble-t-il que je pense que l'hôpital de demain ne pourra plus et doit revenir et être un acteur majeur de l'organisation de la ville. Je crois qu'en France, on vit d'une manière difficile ces problèmes-là de partage de territoire. Je crois qu'on est très marqué par notre culture du parcellaire, très napoléonienne, dans tout ce que ça veut dire, et que cette perméabilité, qui me semble-t-il absolument nécessaire, est une véritable difficulté qu'on a traitée dans notre territoire. Je vis à Toulouse, donc je suis très proche de la Catalogne. L'hôpital Del Mar à Barcelone, vous ne savez pas si vous êtes dans la rue ou si vous êtes dans un hôpital, ce qui est très très différent de ce que l'on peut avoir. Hôpital de Cahors, toujours les mêmes territoires, hein, donc territoire très urbain, patrimoine classé, au cœur de la ville de Cahors. Voilà, donc chaque fois des attentions très particulières qui sont liées à des problèmes contextuels. Si on revient sur le problème du centre anticancéreux de Toulouse, dans l'organisation des plans, on voit qu'il y a deux géométries qui se confrontent, une géométrie orthogonale, hein, donc qui est destinée, qui répond aux exigences du soin, de la pratique, de la rationalité du traitement, hein, dans toute la partie gauche du projet. C'est l'ensemble du plateau technique qui incorpore l'imagerie, les blocs opératoires, les SSPI qui s'ensuit. Et par contre, toutes les formes ondulantes et courbes sont dédiées à l'hospitalisation. Et là, vous voyez qu'elles sont toutes tournées vers l'espace extérieur. Il y a des choix majeurs qui ont été faits, qui sont sûrement contestables. C'est des ailes d'hospitalisation qui sont mono-orientées, ce qui est assez rare dans des milieux hospitaliers sur des problèmes de rationalisation des coûts. Hein, toutes les chambres s'ouvrent à l'extérieur, plein sud, sur les grands espaces. À défaut, à l'arrière, il y a tous les supports, hein, les surfaces supports qui assurent. C'est un modèle qui en a beaucoup de mal à traiter en France, hein, ceci, une chance de pouvoir le faire, alors que je vois sur les magnifiques bâtiments hospitaliers espagnols, c'est quelque chose que l'on trouve d'une manière tout à fait régulière. Et donc, ils sont liés à des choix purement économiques auxquels nous sommes d'une manière récurrente confrontés, quoi. Ben, quelques images des typologies de ce bâtiment, entre des salles de soins, des salles de recherche et des laboratoires. Le problème de l'accueil en général, nous semble-t-il, l'ouverture d'un bâtiment. Comment un bâtiment dialogue-t-il avec la ville dans les limites que j'ai évoquées, hein, tout à l'heure. Moi, je regrette beaucoup qu'à l'intérieur de ce hall, il n'y ait pas le café Paul, comme on peut avoir ici. Hein. C'est très difficile à mettre en œuvre chez nous. Et en même temps, je pense que c'est un obstacle à la socialisation du bâtiment. Voilà. Je vis ce problème sur la reconstruction de l'université du Mirail.
ou dans le territoire universitaire, on ne peut pas venir faire rentrer un acteur de la ville, ce qui me paraît quand même une chose incroyable, et qui nous éloigne très fortement du modèle que l'on, dont on évoque régulier, le modèle américain du campus. Hein. Donc le problème du médical au domestique, c'est comment, comment on arrive à essayer de s'extraire le plus possible des contraintes techniques et fonctionnelles, faire rentrer la lumière dans un bâtiment, traiter des géométries, des choses assez simples. Les traitements des façades du centre anticancéreux, un étagement, mais c'est pas pour faire du façadisme. Hein, vous voyez, les balcons ici qui ne sont pas des balcons en réalité, qui sont les résultats des choix que l'on a fait en termes de faire pénétrer le paysage le plus au cœur du bâtiment. Ça, pour corollaire des problématiques de défense incendie et d'accès incendie pour les pompiers. Et donc, ce sont des passerelles de maintenance, accès pompiers pour l'ensemble du bâtiment. Donc, parce que vous savez bien que dans le milieu hospitalier, on n'autorise pas ou très peu le malade sur des événements extérieurs pour les raisons que je ne vais pas évoquer, mais que vous imaginez bien. Le problème de la lumière, qui est toujours un problème majeur, que ce soit la lumière naturelle, que ce soit la lumière artificielle. À gauche, le problème de la lumière artificielle, bien sûr une lumière commandée, une lumière indirecte sur les couloirs. Un patient qui est sur un lit, qu'est-ce qu'il voit ? Le défilement d'une rythmique de luminaire encastrée dans le plafond, il n'y a rien de plus désagréable. Ben, c'est une attention ergonomique, récurrente, régulière. De l'autre côté, la même chose. Lumière naturelle qui rentre plus, et puis au maximum d'avoir un soin de détail sur l'ensemble des dispositifs. On revient au centre anticancéreux, la passerelle d'échange, donc baignée de lumière naturelle, les salles de réunion, des lieux informels de rencontre, nous semble-t-il. Le coin café, c'est toujours un coin où il se passe beaucoup de choses, dans les hôpitaux comme ailleurs. Les circulations, toujours traité avec maximum de pénétration de lumière naturelle. Les chambres, toujours pareil, dès qu'on peut, peut-être Aline, là, tu peux redire un mot là-dessus, hein, tel qu'on l'a évoqué. Effectivement, si on pouvait, on est souvent limité aux surfaces. Hein, les surfaces sont 20 mètres carrés, 18 mètres carrés. Dès qu'on les a passées au dessin géométrique de l'accessibilité et des écartements entre parois et lits, il ne reste plus beaucoup d'alternatives. Aller au-delà, ce sont des problèmes économiques. Donc comment on arrive à déjouer ces choses-là ? C'est beaucoup de difficultés. Parce que bon, quand il y a 4 chambres à faire, c'est faisable. Lorsque vous en avez 700, c'est un autre problème. Vous voyez les corrélations avec le coût, mais enfin toujours porter cette attention, essayer de voir d'une chambre et quand on est dans un lit, de pouvoir lire l'extérieur, c'est-à-dire de ne pas se taper une allège qui fait 1 mètre de haut. Mais dès que vous posez le problème de l'allège qui ne fait pas 1 mètre de haut, il se crée des problèmes majeurs, techniques, et donc corrélations économiques lourdes. Voilà. Alors, je pense que ce n'est pas qu'un problème économique, mais c'est une vision effectivement qu'on a économique. Parce qu'effectivement, quand on regarde dans certains pays où on a des chambres qui font 28 mètres carrés, les chambres sont considérées comme des zones de médiation patient-soignant. Et donc, quand on est sur ce concept, et effectivement, une des photos qui vous est présentée, j'en avais transmis une autre à Gérard aussi, où dans la chambre, vous retrouvez à la fois le lieu de soins, avec même un écran de télémédecine. Hein, donc, ça veut dire que... Et vous avez aussi un lieu de vie pour la famille, parce que la thérapie, elle s'adresse pas seulement aux patients, elle s'adresse aussi aux membres de la famille. Quand on parle de maladies chroniques et de cancérologie, effectivement, on s'adresse aussi à la famille qui porte aussi la maladie et qui peut être fatiguée et qui a besoin aussi d'être dans un espace plus confortable, qui est à la fois un espace de soins, mais un espace de vie. Et c'est vrai qu'on est, nous, sur la notion de chambre, où dans la chambre, on vient, effectivement, l'infirmière va venir avec son petit chariot. Voilà. Dans les pays anglo-saxons, on est sur une autre dimension, entre autres au Canada, où la chambre est aussi le lieu de soins, de préparation pour l'infirmière. Donc on est vraiment sur une prise en charge individuelle qui permet effectivement une communication plus personnelle, plus privée et plus fréquente avec le patient parce qu'on prépare, on est le patient participe vraiment à sa prise en charge. Ce qui veut dire qu'en termes de mètres carrés, Gérard, ce serait qu'on ait peut-être des postes de soins qui soient plus courts, plus petits, au profit des chambres où la chambre va devenir à la fois un lieu de vie mais un lieu de soins.
Oui. Bon, ce sont des choix complexes à traiter et qui, à la fois qui t'interrogent dans ton métier au quotidien et dans le dialogue que tu es capable de porter ou la capacité d'écoute qu'un maître d'ouvrage est capable d'entendre et de porter. Et enfin, je vais essayer de conclure pour essayer d'entériner mon propos, c'est-à-dire que essayer de sortir au maximum du contexte médical. Hein, ça veut dire que revenir à la tradition 19e des arts appliqués, je pense que c'est compliqué aussi chez nous. On a l'habitude que sur les bâtiments publics, il y a le 1% artistique. Et on en connaît toutes les limites et les problèmes assez ésotériques qui peuvent se poser dessus. La culture de l'agence, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt de convier un maximum de partenaires autour de la table, sur un hôpital, certes des praticiens, certes des personnels, mais en même temps, ne pas oublier que la culture, que l'art est un des segments qui permettent à des gens de se retrouver eux-mêmes. Et je pense que l'agence travaille d'une manière récurrente avec des plasticiens, donc un travail sur des choses très simples, hein, parce que toujours pareil, j'en reviendrai à la drastique de l'économie, on n'a pas les moyens de développer des choses énormes, mais déployer de la couleur, la mettre en vibration avec la lumière, la couleur permet aussi de structurer et de continuer à organiser l'espace, c'est un prolongement du dessin naturel. Et vous voyez, dans les expressions que ça peut obtenir, vous voyez que c'est des choses d'un caractère, d'une simplicité énorme. Ça coûte quasiment rien. Hein. C'est quelques centaines ou dizaines de centaines d'euros sur un bâtiment comme ça. La différence de coût, c'est le rechampi de la peinture. Mais en même temps, ça structure l'espace, ça redonne un lieu qualitatif, quoi. Des images un peu plus larges sur des parties d'accueil, des parties de soins. Non, une volonté quand même de traiter les choses avec beaucoup d'attention. Les déploiements, chaque fois, de choses simples, hein, de venir faire la mise en place des lumières élémentaires dans des amphithéâtres. Mais cette disposition, c'est aussi le dialogue qu'on entretient avec des plasticiens avec lesquels on a travaillé. Des pare-soleils qui sont avec des perforations particulières, des circulations. Quelques images. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Voyez le travail sur le béton à droite. Pareil, c'est des choses simples, mais en même temps, je pense dans ce métier, on apprend cette rigueur, quoi. Avoir à gérer, à savoir être performant, nous semble-t-il, à travers une modestie de comportement, mais en même temps, une prégnance sur les choix que l'on fait. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence ce matin.